Alors salut à tous, alors, aujourd'hui je suis à Edimbourg. Vous pouvez sans doute le voir dans un, c'est un bar français. Ouais, c'est un restaurant français. Donc je suis avec un joueur de D2 écossaise, qui joue à Hamilton Academy Call. Déjà je vais te présenter un petit peu quand même, parce que t'es pas forcément le joueur le plus connu du monde. Non, ça c'est sûr. Bah alors qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que je m'appelle Anthony Andreu, je suis Hamilton cette année, pour ma première année. L'année dernière j'ai joué à Livingston FC en deuxième division écossaise. Et voilà, cette année on joue la montée, on est deuxième du championnat, donc on espère bientôt pouvoir monter en première division si possible. Alors je voulais faire, il y aura une vidéo donc comme ça, en plus de l'entretien écrit, parce que monsieur est un grand bavard, encore plus que moi. C'est un entretien très foot culture comme vous pouvez donc le lire. Et donc je voulais un peu en parler également pour vous montrer ce que c'est un peu de l'intérieur. Tout à l'heure on parlait d'Edimbourg. Ouais. Et tu me disais que tu aimerais peut-être te rapprocher l'année prochaine parce que la ville tu. Ouais, en fait j'aimerais bien me rapprocher un peu plus près parce que là j'habite à Hamilton. Donc j'aimerais bien me rapprocher un peu plus d'Edimbourg parce que j'ai vécu une année l'année dernière ici. Et cette ville elle est juste magnifique, juste super. Et j'ai vraiment envie de me rapprocher pour pouvoir venir souvent, le plus possible, parce que comme je disais, il y a une atmosphère à Edimbourg, il y a quelque chose qui te fait que t'aimes cette ville, et les bâtiments sont magnifiques, la ville est pas très grande. Ouais. Parce que la taille humaine. Ouais, taille humaine, exactement, tu peux faire toute la ville à pied. Mais il y a des endroits magnifiques si tu vas sur la colline. Tu vois toute la ville, ces endroits qui sont magnifiques, il y a plein de petits restaurants, petits bars, petits cafés comme ça par exemple qui sont super. Franchement c'est super et il y en a énormément. Donc, je crois que c'est la ville en Écosse qui a le plus de restaurants, c'est ça. Par habitant, c'est ça. Donc voilà, c'est vraiment une ville super pour vivre. J'aimerais vraiment vivre ici en tout cas. Il y a un côté un peu baroque, un peu folklorique, un peu artistique aussi qui sort. Peut-être. Pour une capitale, normalement les capitales c'est quand même assez gris, un peu serré du moins. Ici déjà il n'y a pas de métro. C'est vrai. Bah, ils sont en train de fabriquer. Pas le métro, mais le tram. Ouais, ils sont en train de le faire, malheureusement. Parce qu'ils l'avaient fait, ils l'avaient enlevé et ils veulent le refaire maintenant. C'est dommage. Mais non, c'est vrai. Et puis regarde, là, cette ville, cette rue, c'est Grass Market. C'est un peu la rue française, j'ai appelé ça, parce qu'il y a beaucoup de Français. Mais c'est aussi la rue artistique. Il y a beaucoup de petits magasins avec de l'art. Il y a beaucoup d'art. Il y a des disquaires aussi, on y est fait. Voilà, il y a du vieux disquaire. Là-bas, si tu descends un peu plus bas, il y a des choses, un magasin en fait, un prêt-à-porter, mais c'est des choses qui sont usées, c'est des deuxième main, troisième main, c'est des choses qui ont 100 ans, des fois, il faudrait que tu ailles voir, et il y a des trucs d'or, mais c'est super sympa, c'est des choses, voilà, c'est ce que tu peux trouver à Edimbourg, et c'est ce que j'ai vraiment aimé ici. Quoi. C'est le fait, ce que je te disais tout à l'heure, de voir une autre culture, de voir autre chose, c'est quelqu'un quand même assez ouvert d'esprit, c'est, j'imagine que tu ne regrettes pas déjà. Non, je ne regrette pas. Je parle humainement, vraiment sur le globe, pas au sport. Ouais, non, je ne regrette pas déjà. D'une part, je suis venu en Écosse, j'ai pu apprendre l'anglais, on va dire. Donc, déjà, c'est une chose qu'on a. Apprendre un anglais spécial, en fait. Apprendre un anglais avec un accent très compliqué. C'est pas de l'anglais, c'est de l'écossais. C'est ça aussi, la différence. Mais en tout cas, voilà, je peux parler. On va dire, je peux parler anglais maintenant aujourd'hui. Donc, c'est pas négligeable de parler de l'anglais. Pour ton après-carrière. Exactement, de pouvoir. Même si tu veux travailler en Angleterre ou autre part, tu peux un peu travailler où tu veux. Et ensuite, non, mais la culture écossaise, ils sont vraiment fiers. Le nombre de drapeaux que tu vois, c'est fou, hein. Il y a énormément de drapeaux. Le drapeau français, exactement, c'est vrai. C'est un peu la différence. Ici, ils sont contents, ils sont fiers, ils sont patriotes. Ouais. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils veulent voter l'indépendance. Ouais. Bah attends, mais c'est trop drôle parce que, tiens, en parlant de ça, je pense pas un truc avec toi. Vas-y, continue, parce que c'est trop drôle. Enfin, c'est trop drôle. C'est un fan des Rangers, et regarde. Et bah, on remarquera l'imitation de Staline derrière. C'est vrai. Attends, je vais montrer la caméra. Donc, ça, c'est voter non référendum. Voter non, regarde. Maintenir l'union avec le Staline, en gros, c'est limite, je dirais Staline. C'est sur quoi ça? C'est un fanzine des Rangers. Que j'ai acheté hier avec vous. Donc eux ils veulent pas l'indépendance. Bah non, parce que c'est le club qui est proche, on va dire, protestant, proche de la reine et tout ça. C'est vrai. Ils ont tous les. S'il te plaît, il y avait des écharpes au nom de la Queen. Ah, c'est impressionnant. C'est pour ça, à Partic Fizzle, c'est trop drôle parce qu'ils disent We fuck the Pope, un hommage pathétique. We fuck the Queen, but we love Gandhi. We love Gandhi. C'est pas mal. Non, mais c'est pour ça, ils ont de l'humour. Ah, oui, voilà. C'est comme. Ça c'est fou ça. C'est énorme les fans. Et
Après voilà, c'est comme je dis, ils sont pas très typés de lumière des branches. Je pense pas que tout le monde la veut, mais en tout cas. Mais il y a quelque chose quand même. Il y a quelque chose, je pense qu'il y a quand même. Ils sont fiers quand ils disent on est écossais. Ah oui, ils se disent pas britanniques. Ils se disent on est. Et on parle anglais. We are Scottish. Et on parle pas, on parle Scottish. C'est clair. Et l'accent et les mots, et c'est pas les mêmes. Les Grecs. Voilà, les Grecs, là, c'est. Voilà, big man. Ah oui. Plein de choses. Voilà, women. Ouais, c'est exactement ça. Mais c'est. C'est pour ça, c'est. C'est super intéressant de voir, de tomber dans une culture, à dire, à la limite tu pourrais croire qu'elle est fermée, puisque c'est vachement patriote, ils sont fiers d'Écossais, mais quand tu es en Écosse, tu vas dire que t'es français ou même étranger, ils t'ouvrent les bras, quoi. Ouais. Dire, ils adorent l'échange, et ça, c'est, j'ai remarqué ça, avec même mes coéquipiers, tout ça, ils sont vraiment fiers d'avoir des étrangers, ils les charrient. Tu vois, ils disent, oh putain, les Français, French frog. C'est, voilà, avec ton béret, toi, voilà, et avec mon béret, ils me disent toujours, il manque toute la baguette et la bicyclette. Et c'est ça. Et je suis le Français parfait. Mais ils sont fiers, tu vois. Et ils sont fiers de dire qu'ils sont écossais, mais il y a un super échange. Et je pense que c'est ça qui m'a beaucoup plu depuis que je suis arrivé ici l'année dernière. C'est super. On va dire, l'expérience est humainement enrichissante. Et en plus, moi je suis amoureux du pays, je trouve magnifiquement beau. Oui, le pays est beau, il n'y a pas que d'amour, il y a tu vois, Saint-Andrews par exemple, c'est un peu plus haut, au golf, mais c'est un des plus beaux endroits d'Écosse, dans les Highlands, t'y allais, toi, déjà tout ça. Je suis allé vers Saint-Andrews, je suis allé un peu plus haut que Saint-Andrews, c'est super beau. T'es allé vers Dundee un peu? Non, c'est encore plus haut, c'est encore un peu plus haut, c'est super, c'est super sympa. J'allais avec ma copine justement, et John Connie, tout ça. C'était super sympa. Mais il y a aussi les Islands, à ce qui paraît, un peu plus haut, les îles. Le pays est juste magnifique, avec les châteaux, tout ça. C'est super beau, franchement. Toi, tu aimes quoi dans Edimbourg vraiment? Tu m'as dit que tu aimais bien le North Market. Ouais, j'adore ce quartier. C'est... Notamment le samedi soir? Alors, voyons là. Le samedi soir, c'est plein. Ah, ils sont pleins aussi. Ils sont pleins et c'est plein, donc ça fait beaucoup. Mais je pense que. Je sais pas, cette rue là, elle a deux étages en elle plus. A quelque chose. Ouais, elle a deux étages, mais elle a quelque chose, je sais pas, ce petit virage. Après, là, si tu regardes, il y a une petite place, il y a plein de. C'est que des petites choses, il n'y a pas Zara ou quoi ici. Hein, c'est des trucs indépendants. Voilà, et je trouve que c'est là où on voit le charme de Edimbourg. Parce que tu peux aller au centre-ville, il y aura des Zara, il y aura un peu les grandes enseignes. Mais je pense que le charme, il est ici, tu sais, dans la vieille ville. Et c'est super beau, avec le château, derrière le château, c'est super beau. Franchement, je suis assez fan de cette ville. Ouais, ça, c'est en plus pour toi, t'étais quand même à Genève avant, non? Ouais. J'étais en Suisse. Ouais, j'habite à Genève. Et aussi à Lyon. Lyon, c'est petit, mais c'est beau. Oui, c'est super beau avec le cimetière. Il est incroyablement beau d'ailleurs. Tu le cimetière mais oui, parce que tu passes en bas. Oui, c'est vrai. C'est vrai, tu descends sur le lac. Tu vois, tu dis, mais attends, mais il est méga entretenu. Ouais, au cimetière, chez moi, il y a des rats qui sont détendus. J'adore. Franchement, j'avoue qu'en Suisse, déjà le niveau de vie était super. Genève, c'est super. Il y a le lac. Lausanne, j'aime bien. Lausanne, moi, j'ai vraiment bien aimé Lausanne. J'ai été plus tourné vers Lausanne quand j'étais à Lyon. C'est super sympa. Franchement, après, c'est complètement différent. C'est pas la même culture. Ici, c'est vraiment une culture. Les Écossais aimeraient pas, mais c'est une culture britannique. Le coup des pubs, déjà. Le nombre de pubs, le nombre de. En fait, des gens qui sortent aussi, je pense. Comme une école. Plus ici. Je pense, ouais. Ça, dans semaine, je veux dire, pas forcément pour. Non, mais juste, tu les vois souvent à 5h, tu vois des gens qui sont en costard dans un pub. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Et c'est vrai que c'est différent, on va dire, mais. Dominique. Je sais pas, c'est. Je préfère vivre, on va dire, en Écosse, dans ce style de vie, dans cette ville. Ouais, je suis tombé amoureux de cette ville en fait, vraiment. Vraiment, c'est vraiment une ville qui est magnifique. Ma copine aussi m'a fait visiter des bons endroits, des endroits qui sont aussi intéressants. Donc c'est bien aussi d'avoir quelqu'un qui connaît pour justement te faire visiter les endroits qui sont sympas. Et je suis vraiment en train de j'apprécie vraiment ça, quoi. Voilà. Donc je disais tout à l'heure que t'étais là-bas. Bah alors c'est ouvert d'esprit, un homme d'abord ouvert d'esprit, donc tu me disais que tu lisais, tu écrivais et tout ça, pour toi le fait de pouvoir déconnecter avec le foot, parce que je pense d'abord t'es quand même passionné de foot, amoureux de foot. Je suis un amoureux de foot depuis 5 ans, depuis que j'ai toujours aimé le foot, mais c'est important de, on va dire qu'il n'y a pas que le foot, on peut voir en plus tous les problèmes qu'il y a aujourd'hui, il n'y a pas que ça quoi, et non je suis assez ouvert sur le monde, on va dire, sur le monde et sur ce qui se passe aussi en France, parce que je suis plus en France. Et souvent, quand tu
pars de France, tu deviens plus patriote quand tu restes en France. Oui. C'est fou, mais c'est souvent comme ça. Et non, donc je suis assez ouvert sur ça. J'adore la lecture, j'adore lire les. Ah, c'est tout quoi. Comme je disais, je suis éclectique sur ça. Et j'aime écrire, j'aime. Je joue un peu de ukulélé comme je disais. J'imagine vraiment accueillir un ukulélé avec les mains, avec la bière. Ouais, j'ai appris tout seul, c'est sur internet. Ouais. Maintenant, c'est assez facile, mais. C'est des choses qui sont. J'ai besoin de ça, de me couper de. Pas du monde, justement au contraire, de m'ouvrir sur le monde et de couper un peu de fois du foot et de voir autre chose, de voir ce qui se passe autour de nous. Parce que des fois, il faut pas trop être trop focus sur ça et oublier le reste. C'est vraiment pas bon, pas pour moi, je trouve. Et le fait qu'en plus tu sois là, maintenant t'habites seul là cette année. Ouais. J'imagine que ça doit aussi. C'est-à-dire que tu compenses un peu cette solitude par justement. C'est seul. Non, mais c'est vrai. Mais après, bon, je vois beaucoup d'amis, tout ça. Équipe et tout ça, même des Français qui sont à Édimbourg que je connais. Mais oui, c'est vrai que quand t'as du temps, en plus, on va dire, la chance que j'ai, c'est de faire du foot et de vivre de ça. Ce qui te laisse énormément de temps libre. T'as énormément de temps libre. Je travaille pas de 8h à 5h du soir. Donc, tu peux faire beaucoup de choses. Et c'est là où justement tu peux te dire je peux lire, Tu peux sortir à l'amour. Tu peux sortir en ville, tu peux voir, tu peux découvrir les villes, tu peux découvrir le pays, tu peux parler avec des gens, avec tout le monde. Et c'est ça qui est, je pense que c'est la chance qu'on a et que j'ai d'être footballeur, on va dire, le but de ça, c'est qu'on a un temps libre et on peut tout faire avec ça. Vraiment, il n'y a pas de limite. Et ça qui est. C'est super quoi. C'est super. C'est ça qui me plaît. Et quand tu disais que t'es devenu peut-être plus patriote maintenant que t'es en Écosse, puis que t'es un peu exil. Ouais, j'ai l'impression que souvent on a besoin de partir d'où l'on est pour qu'on ait, on va dire, le mal du pays. On va dire. Et c'est un peu ça. En Suisse, je revenais souvent. Et maintenant que je suis en Écosse, je reviens pas souvent, je reviens peut-être deux fois par an, je suis revenu. Et c'est vrai que t'as ce mal du pays et t'as cette fierté. Tu as un Écossais, tu vas lui parler, tu vas dire je suis français, je suis fier d'être français, tu vois. Et lui va dire je suis fier d'être Écossais. Et voilà, il n'y a pas de confrontation. C'est juste tout le monde, les deux sont fiers et c'est là où tu échanges. Et c'est ça qui m'a marqué depuis que je suis ici. C'est vraiment ce fait que je suis fier d'être français. C'est vraiment une chose qui m'a sauté aux yeux quand je suis arrivé ici. Je peux le dire, ah ouais, d'accord, c'est vrai, je suis français en fait. Si je te disais que pour te définir, c'est un amoureux de la vie. Est-ce que je me trompe? Je pense que c'est la plus belle. Parce que ça se voit au sourire quand même. Ouais, non, mais j'aime sourire et je pense que c'est important, mais je pense que c'est la plus belle. La chose qui me caractérise le mieux, je pense. Et je pense que c'est flatteur et c'est. Ça, je dis pas une connerie. Super bien. Non, c'est l'amoureux de la... je suis un amoureux de la vie, c'est vrai. Tu trouves pas que d'ailleurs, vu qu'on peut parler de tout, tu trouves pas que c'est un peu un truc qui en recule justement? Moi je trouve qu'il y a beaucoup de choses. C'est souvent très français d'ailleurs, j'ai remarqué. De s'enfermer. De se plaindre déjà. Oh, ouais. De ne pas être satisfait, tu vois, d'être. Tu sais, parce qu'aujourd'hui on veut tout de suite. C'est vrai. C'est un sport national de se plaindre. Ouais, je trouve, je sais pas, les gens ne savent pas. Peut-être des fois des petites recettes. On parlait tout à l'heure du fait qu'il y avait une dizaine de personnes qui chantaient pour toi pendant le temps de ta match. Ouais, bah. Tu vois, c'est un petit truc à la rigueur. Mais. C'est. Le prendre pour ce que c'est déjà beau. Exactement. Non, c'est clair. Mais. Oui, comme on disait, vous chantez des différentes chansons pendant 45 minutes en nom. Avec l'accent, ça devait être beau. Ouais, non, mais c'est super et c'est flatteur. Déjà flatteur et t'es reconnaissant de ces gens-là. Parce que tu joues au foot et d'un coup, t'as 10-15 personnes qui chantent ton nom. Ouais. Tu dis, ah putain, donc je fais les choses bien. Et ça te donne envie de continuer et de faire encore plus. Et ils te donnent. Et ça, c'est super. Ouais. Franchement, c'est super. Après, par rapport à la France, j'ai jamais joué en senior en France, donc je pourrais pas comparer. Même si je sais ou je pense que c'est complètement différent. Mais je sais pas si on est. Peut-être que si on se plaint tout le temps, mais. Je parle pas forcément des footballeurs. Non, je sais dans la vie en général. Dans mon métier par exemple. Ouais. Tu sais, alors que bon, honnêtement, journaliste, surtout journaliste sportif, putain, c'est pas les heures de boulot qui vont les tuer quoi. Normalement, ça te plaît, normalement, c'est des terres. Franchement, je prends l'exemple, j'en vois plein l'équipe. Il y a l'équipe 1 qui se fait appeler les émirs du Qatar par certains à l'intérieur du groupe. Ah ouais? Peut-être me faire arrêter, mais pour dire non, je travaille un peu là-bas. Non, mais c'est une réalité, les mecs ils font pas beaucoup de papier. Bon, il y en a qui sont très très bons, les Darman et d'autres. Mais
je veux dire, voilà, il n'y a pas à se plaindre. Des fois, tu les entends pour leur frère aussi, pour leur, ils n'ont déjà pas une bière pillée, quoi. Ils n'ont pas à galérer comme d'autres. Non, moi, par exemple, tiens d'ailleurs, je suis freelance, et et pourtant, tu fais beaucoup de choses. Enfin, je pense que c'est long de retranscrire 2h30 d'entretien complet, et après, surtout, tu dois tout assembler, tout couper. Des fois, je fais chirurgien plastique. Ouais, mais j'imagine bien. Et c'est, non, mais c'est un vrai métier. C'est un vrai métier. C'est, je te remercie. Et, non, mais, et puis, les gens, quand on lit, on n'imagine pas le travail derrière. Mais c'est pour ça. C'est parce qu'il y a un gros travail derrière qu'on s'imagine pas ça. Voilà, justement. Et on lit et on prend plaisir à lire. Et c'est vrai que. Ouais, après, je sais pas si tout le monde. Peut-être qu'il y a des. Mais j'ai rarement vu des joueurs, j'en ai vu, hein, par exemple, Bilal Mosny des Rangers. Tu sais, quand... s'il est harcelé par les gens nettement à Glasgow, il me disait quand il va à la banque, centre-ville, il met une capuche. En plus, avec les cheveux. tu vois les cheveux qui descendent. Voilà, tu le reconnais forcément. Et, mais hier, dans la rue, bah, il en a honnêtement combien de photographes, de photos et ça. Mais le fait, tu vois, en plus, il rigole avec les gens et ça. Tu vois qu'il n'y a pas de caméra. Parce qu'il y en a. T'attends la caméra. C'est clair. Ah, bah, viens là, petit. On va signer un peu. Non, mais je comprends. Ouais, et lui, il a une vraie joie de vivre. Il y en a plein comme ça quand même. Mais non, mais quelqu'un aussi, je l'avais rencontré une fois, justement, au match, et c'était un mec franchement super, et le sourire aux lèvres tout le temps. Mmh. C'est super de voir ça. Mmh. Je l'ai vu quoi? J'ai vu 90 minutes le temps d'un match. Mmh. Hein. Mais c'est des gens, voilà, tu te dis, à ce mec-là, ça a l'air d'être un mec bien, et il a profité de la vie. Ouais. Et ça, c'est. Je pense que c'est important. Mmh. Que tu vois quelqu'un qui est fermé, qui sourit pas. Introverti, même s'il y en a qui malheureusement ils le sont, malgré eux, mais je pense que quelqu'un qui est ouvert, qui sourit, ça donne la joie aux autres, je pense, et c'est super, et il faut pas se plaindre, au contraire, il faut prendre les petites choses, toutes les petites choses qu'on a dans la vie qui sont bien, il faut les prendre, et faut, voilà. Même quand on joue à Code NB, même quand on joue à Code NB, et fixe que c'est déjà, parce que bon, Code NB c'est pas très connu en France. Le stade. On va dire, et tout. Le terrain est très petit et très bosselé. Très en plus Ouais, il est horrible. Et autour, il y a une piste de NASCAR. Donc, déjà, tu te dis, bon, on va conduire, on va jouer au foot, tu sais pas trop. Il fait toujours froid, il y a toujours du vent. Bon, voilà, c'est Code NB, ça, c'est tout le monde connaît pour ça. Mais. Donc, c'est pas agréable. Ouais. Mais on va là-bas, on perd 2-0. À la mi-temps. Et on gagne 4-2 en 20 minutes à la fin, on gagne 4-2. Et ça nous a fait, je crois que c'était presque l'une des plus belles victoires. Et pourtant c'était un match vraiment, c'était un match horrible. Okay. Mais bon, voilà, c'est notre petite chose, on a gagné et on a pris ça, on était contents. Et voilà, et ça c'est, je dis ça pour le foot, mais c'est pour tout quoi. C'est super important. Attention, il faut soir. Et bon, tu parles de Code NB, il y a d'autres traquenards un peu en des deux écossaises. Which one? Alloa. Alloa, okay. C'est un stade synthétique. Okay. Les bises d'Alloa, c'est ça. Synthétique, mais c'est du tapis. C'est du tapis. Il y a synthétique, il n'y a que le nom. Sinon, c'est un tapis en fait. On joue sur un tapis. C'est très compliqué de jouer. Le ballon, tu peux faire une passe parfaite, elle va toujours rebondir. Donc tu vois, c'est un traquenard. Il y a beaucoup d'équipes qui ont perdu là-bas, beaucoup d'équipes qui ont perdu. Des équipes du haut tableau qui ont perdu là-bas. C'est vraiment assez compliqué de jouer là-bas. Et sinon, des traquenards, je sais pas si y a des traquenards, on va dire c'est compliqué de jouer à Falkirk. Grand terrain, ils connaissent très bien leur terrain, et très bonne équipe, voilà. Et ça leur va bien puisqu'ils jouent très bien au ballon. Ils ont le supporter derrière, c'est assez compliqué de jouer à Falkirk. Pour moi c'est un des stades les plus compliqués à jouer.